Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la ferme française. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Bon, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va s'occuper de la petite moisson. Donc, pour ça, on a besoin d'une monstrueuse. Hop, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on prend dans ce jeu? Donc ça, c'est en rechesse. Ouais, j'hésite parce que... Non, c'est le même prix. Ouais, c'est exactement le même prix en fait. Mais au prix de location, est-ce que ça change quoi? 26 265. Non. Ah ouais. Bon, on va dire 30 000. Et là. 26 000. Bon, autant prendre l'autre. Clairement. Autant prendre l'autre. Ouais, 30 000. Ouais. Ça, plus. La barre de coupe, on a besoin. Non, c'est pas ça qu'on veut. Attendez, je suis en train de faire une quoi. C'est bien silencieux, oui. Là, on a du 9 mètres. Et là, on a du 9 mètres aussi. Enfin, on va jouer aussi. Tac. Je vous avoue, celle-là. D'ailleurs, on a plus de silos. Ouais, c'est vrai, ça. On n'a pas mis notre silo en silage. Je vais bien qu'on le mette. On le mettra après, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Hop, tac. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire, quoi. Voilà. Du bon côté ou quoi? Oui, là on est ok, là on déplie, ah mince, j'ai pas mis de je vais mettre c'est combien, 60, je crois qu'on a fait ça dans la palette. Bon, ici des petits pots là. Ah, il y a 60 litres tout de suite. Ah, autant que je la remplisse. Et je vais m'enlever 3000 euros. Je vais m'enlever 3000 euros directement. Ah. Ça rigole ou pas, toi? Faut pas remplir comme ça? Ah. Si tu veux pas, je vais trouver une méthode ici, hein. Il n'est pas gênant. Donc ça, ça m'évitera d'enlever 3000 euros. On va l'acheter ici directement, en espérant que je puisse. Hop. Ah non, on peut pas, mince. Si, c'est bon. Ah bah en fait, ça me fait 54 euros. Ok. Alors, on va quand même prendre de l'argent. Moins 3000 euros. Voilà. Et on est parti. Donc ça nous permet de peut-être avoir un petit peu plus d'ensilage. C'est pas mal. Par contre, on a que deux champs en ensilage. C'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. On va pas en avoir 50. On va en avoir un peu, mais pas. Je pense pas qu'on va en avoir énormément. Ah, pas que. On a quand même 40 tonnes. En faisant juste le tour.
plus l'autre, c'est qu'on va en avoir quand même. Peut-être que l'additif fait son effet. Par contre, ce que je veux dire, c'est que je puisse récupérer, je sais pas si c'est possible, récupérer mon additif. Je sais pas si on peut l'enlever après. On a les semences, je peux enlever les semences que t'as dedans. Mais là, est-ce qu'on peut? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, du tout. Ou alors, je pense qu'on va faire 3 champs de maïs. Mais que comme ça, on va relouer une ensileuse plus tard et pour quelque chose. Au moins, on aura un bon stock et après, tu les penses combien qu'on achète de vaches. On va peut-être être tranquille. Quand on va refaire une ensileuse, on aura peut-être les moyens d'acheter sachet d'ensileuse. Là, si on va avoir, je pense, un peu plus de 200 000 avec les 2 champs. C'est pas mal, hein. Sachant que c'est des champs qui sont assez petits en soi. On a 112 000, 112 tonnes. On va avoir pas moins de 150, je pense. Non, à peine 150. On est complètement à côté. On est complètement à côté. Ouais, 126 000. 126 tonnes. Bon, on fait l'autre. Bon, ça sera fait. Ça sera fait. Bon, normalement, ça prend pas les collisions, hein, le... Non, c'est bon, ça passe. Ça passe et ça passe. Ah, quoi que, le 73, ah non, c'est le 73, non, 74, mais en maïs, ouais, il est petit. Il est petit. Oups. La voiture, elle est morte. Là, clairement, je viens de rouler dessus, elle est idéale. Elle est usée de chez usée. Bon, est-ce qu'on peut avoir les 200? Ça, c'est pour sûr. Et ce champ-là est beaucoup plus gros que j'ai l'impression. Ouais, il est largement petit, trop. Mais après, on peut peut-être avoir un meilleur rendement sur celui-là. Je ne sais pas. Bon, déjà, si on a 200 tonnes de paille hachée pendant l'ensilage, je pense que pour commencer là, je vais dire. Quand même, on va faire 3 champs. 3 champs de maïs. Ça va vraiment d'avoir pas mal d'ensilage d'un coup. Et le reste, en soja. Ça va nous rapporter de l'argent en même temps. C'est aussi bien.
j'ai envie de lire, mais j'ai quand même les moyens de me le prendre de temps. On est large en fait, hein. On va largement aller d'avoir les 250 tonnes, non? Je pense qu'il y a moyen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir 250 tonnes de paillage chez nous. Il nous reste, allez, 25 000 à 25 000 encore de paille, on est bon. Donc ce qui nous ferait, si on refait 3 autres champs, on aurait à peu près, peut-être 600 tonnes de maïs. Je pense qu'on est pas mal avec 600 tonnes de maïs. Pour commencer, les vaches, on devrait le faire. Je vais augmenter ma sensibilité. J'avais baissé, mais en fait, ça va être le facteur qui m'aide. J'en mets à 100. Je trouve que c'est long à faire du micro. Ah ouais, c'est déjà beaucoup plus rapide. On va gagner un petit peu de temps. Bon bah ça c'est bon. Et on termine avec 290 tonnes d'ensilage. Alors comment dire qu'on est bien? On est plutôt bien. Donc ouais, même avec 3 champs, il y a moyen qu'on fasse même 700 tonnes en dessous d'ensilage. Après même là, commencer avec 300 tonnes, ça fait largement. Sans problème. Après, l'avantage, c'est que ça, on pourra se permettre d'acheter plus de vaches d'un coup. Et après, bah, il faudra qu'on mette, à tout ce qui est usine. Alors, notre silo. Je mettrais bien un silo de côté, moi. Le seul problème, c'est que, on n'a pas forcément beaucoup de place maintenant, avec le champ. C'est ça le truc. Moi, c'est ça que j'aurais dû mettre. Avant, j'en avais un autre, mais je crois que je l'ai enlevé. Crois que je l'ai enlevé. Non, c'était lui. Non, je vais mettre celui-là, il coûte moins cher. Après, niveau capacité, niveau capacité sexuelle, il a 2 millions. Ah, on va mettre celui-là. Bah, en plus, ouais, il peut être beaucoup moins grand. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à le caler quelque part par là. Bah, ici, non. Si on le met là, il va pas déranger. En vrai, pas du tout. Il a juste mordu un petit peu au chemin, forcément.
Oh, doucement. Si on se fait ça comme ça. Je pense qu'on est bien. Ah, mais est-ce que je vais pouvoir viser aussi avec ça? Hein? Malin. Je vais peut-être pas pouvoir viser. L'autre, je sais que je pouvais, mais celui-là, est-ce que je peux? Ah, c'est pas grave, au pire, j'ai la vie. Bah oui, c'est pas gênant. Ce n'est pas gênant du tout. Sinon, je vais pas pouvoir viser. Non, je peux pas viser. Bon, on va aller chercher la veine. Hop. On va pas s'en douter, on va viser comme ça. Et je vous avoue qu'on va faire pire, mais bon. Ah mais non, mais attendez, je vais faire la cale ici. Et je recule en cibleuse. Ah, il marche pas. Ça marche pas. Non, non. Ah, je suis dégoûté, par contre. Ça devrait marcher, hein. Pourquoi ça marche pas? Ah, si, c'est bon. Silence, mais comme ça. Lui, on le met ici. Oh. Normalement, il devrait se vider, entièrement, je pense. Et on le met par là, tac. Ouais, impeccable. Plus vide comme ça. Ah non, ça. Mince. Ah, ça vit plus dans mon. Bon, c'est pas grave. C'est pourtant ça vit. Je comprends pas. Attendez, mais il vit directement dans le truc. Bah oui. Mais je suis nul. Je suis vraiment nul. Alors là. Bon, tout est bon. Bon, l'ancienne, on peut la rendre. Tac. Maintenant, l'usine. On la met en route. On met bien ça, hein. Lâcher. Ok, activer. Mais du coup, niveau stockage, c'est pas vraiment là. Mais je pense que c'est élevé. Ok. Bah là, on est bon. Ce que je voulais faire, moi, c'est aller rechercher du blé pour mettre au poule. On va peut-être remettre une botte de d'herbe en même temps au mouton. Ça, on sera bien. On va prendre le 500 000. Ah, c'est pas. Ah, je sais. Ça devrait le faire. L'avantage, c'est qu'on a mis paille, foin, tout ce qui est bot, et en silage, niveau animaux, quoi. Ah, on a même plus de métal, silencieux. Ouais, on avait un petit peu de place. Un peu beaucoup de.
Ça m'étonne que c'est soit plein. Ah si. Je n'ai rien dit. Ah, je vais mettre à... C'est déjà plein. Je vais quand même le mettre à remplir derrière. Je pense que ça sera tranquille. Ah si, c'est la station de lavage aussi qu'on va mettre. On va pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Là, je pense qu'on va juste remettre un peu de bottes. On va remettre une botte au niveau des... Je pense qu'on sera bien. Ok, ça c'est bon. Alors, reprenons l'autre. Bah, du coup, on a dit une botte d'herbe. Je pense que ça devrait suffire une seule. Il en reste. Ouais, alors, ici il en reste. Impeccable. Allez, en route. Par contre, j'aime vraiment bien ce... cet enclos à moutons là, il est pas mal. On peut mettre énormément de moutons dedans. Et pour mettre de l'herbe, c'est bien. Le nouveau stockage de... pour mettre de l'herbe, le nouveau stockage de laine, pardon, c'est vraiment vachement... c'est vachement... ça c'est top. Est-ce qu'on peut mettre, je crois que c'est pas 500 moutons, on peut mettre de l'eau. Les animaux, moutons, nous on a pris celui-là, ouais, 500 moutons. On met donc, ça le fait largement. Bon, sur ce les amis, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça vous a plu. Et ça fait toujours plaisir de s'abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.